Bonjour à toi, chers spectateurs, amateurs de Marvel, et peut-être qui commencent à en avoir marre, mais bon, ça va faire un bon petit moment qu'il y a un peu trop de films de super-héros qui sortent dans les salles. Mais bref, nous sommes quand même là pour parler du nouveau Marvel. Le prochain avant un petit mois, puisque dans un petit mois, nous avons le prochain Spider-Man. Et juste avant, il y a à peine 2 mois, nous avions eu Shang-Chi, et en même temps, juste avant, nous avons eu Venom. Enfin bref. Vous voyez, il y en a un petit peu trop, mais donc parlons des Éternels, ou Eternals, réalisé donc par Chloé Zhao, le Marvel un peu attendu au tournant comme étant un film assez ambitieux, que ce soit parce qu'il est porté par Chloé Zhao ou que ce soit par son sujet. Bref, c'est un film qui était très attendu. L'histoire, pour faire extrêmement simple, comme le dirait le carton d'introduction, au commencement, il y avait Ahrichem, qui était un céleste, et qui a donc créé les Éternels pour protéger la planète Terre. Ou en tout cas simplement y aller pour empêcher les déviants de prendre trop de place pendant l'évolution de celle-ci, et potentiellement pour les aider un petit peu à avancer sans trop influencer sur le cours de l'histoire. Et on retrouve ces éternels de nos jours, alors qu'il s'apprête à y avoir une grosse bascule sur Terre. Je vais éviter de trop vous en dire, même si malheureusement la bande-annonce a tendance à un petit peu trop mettre en avant, en tout cas la dernière, ce qui se passe. Évitez de la regarder, restez sur le teaser qui montait vraiment juste les personnages et leur contexte d'arrivée. Je trouve que c'était très intelligent d'ailleurs d'avoir balancé une bande-annonce juste comme ça. Et pour en parler avec moi, bah tu reviens régulièrement en fait pour les Ouais, Marvel, pour les toi. T'es pas là Marvel, pour tous, mais tu reviens de temps en temps, mon cher FX. ouais, effectivement, Comment salut. vas-tu? Ouais, écoute, c'est le matin. Oui, c'est vrai que c'est le matin, on vous le dit pas, mais là on tourne la vidéo, il est à peine 8 h le matin, là on est chaud. Ce nouveau Marvel. Comment dire? Bon, tout le monde l'a déjà dit, donc je vais juste faire un bref aparté là-dessus. Le film est en train de sortir dans un contexte très compliqué, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens, il divise. C'est un film qui divise énormément, c'est un film qui est clivant, c'est un film qui ne plaît pas à tout le monde. C'est surprenant de la part d'un Marvel, parce que si on peut mettre les Venom ou les films de ce genre-là de côté, clairement tous les autres Marvel, depuis maintenant 5-6 ans, il n'y en a aucun qui n'a pas réussi à convaincre tout le monde. Même Black Widow a réussi à convaincre la presse, ce qui reste, je trouve, absolument sidérant. Mais en tout cas, une chose est sûre, depuis maintenant 5-6 ans, la presse et les spectateurs sont convaincus par quasiment tous les Marvel. Et ce film-là arrive dans un contexte particulier, Chloé Zhao ayant remporté des Oscars, donc étant la première réalisatrice oscarisée, avec Kenneth Branagh, je crois, pour Thor, a du coup réalisé un film Marvel, ce qui est quand même plutôt fort. Juste avant, il y a eu Kevin Feige qui était tout de même en train de répéter à tout le monde: j'ai jamais vu un Marvel comme ça, c'est complètement hors du temps, c'est complètement surréaliste, je vois pas comment on a réussi à le produire, mais il est là. Les premières critiques sont tombées, elles étaient catastrophiques, allant du ça passe au c'est une catastrophe. Voilà. Le film sort vraiment dans une espèce de semi-hype où les gens sont en train de se dire qu'est-ce que c'est que ce film, et en même temps j'ai très envie de le voir. Voilà, c'est un contexte particulier. Mon cher FX, avec ce contexte tout de même assez ambigu, qu'as-tu pensé de ces Éternels? Bah que ça aurait été un excellent film de science-fiction s'il n'y avait pas eu le logo Marvel dessus, en fait. J'étais assez... Tu l'as dit, il y a un carton au début, et en fait, ça ne laisse que deux choix dans la vie, soit tu es George Lucas, soit tu es Uwe Boll. Et là, au début, avec les premières scènes et quelques petits trucs qui m'ont fait sortir, je me suis dit, oh là, non, pas Uwe Boll, pitié. Et au final, non, ça se rattrape vraiment très bien. Voilà, il y a des bons twists qui font que c'est assez intéressant. Au final, je défie quiconque de dire, hein, qui sont les gentils et qui sont les méchants dans l'affaire, parce que c'est clairement pas net, même s'ils souffrent quand même de problèmes habituels des productions Marvel. Il y a plein de choses à en dire, je vais pas commencer à partir dans tous les sens. Donc, honnêtement, c'était pas trop mal. C'était un film agréable à regarder. Je sais pas si je le reverrai 15 fois, mais c'est peut-être pas celui que je regarderai le plus dans les Marvel. C'est peut-être ça qui est dommage, mais pas mal, pas mal. En même temps, il dure 2 h 40. Donc c'est pas facile à Oui, mater. ouais. C'est comme des Avengers Infinity War ou Endgame. Et C'est pas des films qu'on remate tous les 3-4 matins, ouais, hein, puis mais. c'est les Avengers, enfin les films de 2 heures, de plus de 2 heures des Avengers, c'est presque t'as ta petite récompense toutes les 10 minutes parce que t'as tel perso, tel machin. Ouais, C'est c'est des ça. crossovers, donc c'est encore C'est un encore modèle un autre différent, quoi. différent, ouais. Là, c'est vraiment un film de science-fiction de 2 h 40 qui est assez au début, assez mal foutu au début, et en fait plus on avance, plus on se dit ah, il y a un rythme qui s'installe avec l'histoire et ça passe bien. Mais oui, effectivement, il a quand même quelques soucis, donc je pense qu'on va en discuter. Alors moi, je t'avoue que j'ai été totalement surpris, parce que je m'attendais à ce que ce soit un bon film, parce que c'est Chloé Zhao, et moi je suis un immense fan de Chloé Zhao, ceux qui sont sur cette chaîne depuis un moment le savent, vu comment j'arrête pas de défendre chacun de ses films. Je trouve ici que clairement,
Ce film est une anomalie. Tu l'as bien évoqué, c'est un film qui, avec l'étiquette Marvel, sonne comme quelque chose de bizarre. Parce que bizarrement, il n'a pas la tête d'un film Marvel. Mais clairement pas. Et il y avait peu de films dernièrement de l'écurie Marvel qui avaient ce cachet de pouvoir dire, c'est pas vraiment un film Marvel. C'est même pas vraiment un film de super-héros, en C'est fait. même pas vraiment un film de super-héros, enfin, c'est un film de divinité. C'est un film qui parle du pouvoir qui va à un dieu lorsqu'il Il apparaît. est dans une situation particulière. C'est un film qui parle de beaucoup de choses. Bon, à la base, l'œuvre de Kirby incite forcément à la comparaison avec la mythologie grecque, au vu des noms des personnages, au vu de leur position et au vu de leur statut par rapport à l'histoire de l'humanité. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est vraiment sur une œuvre qui a beaucoup de dimensions de lecture. Chose très rare finalement dans les Marvel. Les Marvel, ça c'est souvent de manière très linéaire, avec juste, c'est des super-héros, ils ont une quête à accomplir. Tu vas vaguement peut-être avoir un sous-entendu par rapport, j'en sais rien, aux conséquences par rapport au passé sur des films comme Endgame, mais par exemple sur Infinity War, niveau degré de lecture, on reste tout de même sur quelque chose de très linéaire et de très plat. Il n'y a pas vraiment de C'est plus. un feuilleton en fait, Marvel. C'est T'es ça. pas censé avoir à chaque épisode un fond en fait. Exactement. Et donc là, c'est surprenant de voir Chloé Zhao chercher quand même au sein de son film à amener des degrés de lecture assez intéressants, pas toujours subtils, pas toujours parfaits, mais qui ont cette résonance de dire ce film peut être vu et peut être analysé tout de même. Pas non plus à foison, c'est pas non plus un film devant lequel on va être capable de pouvoir placer 14 niveaux de lecture, mais je pense profondément que c'est un film qui a une lecture romantique et romanesque, une lecture plus super-héroïque et une lecture quasi divine autour des pouvoirs et de leurs conséquences par rapport à l'utilisation de ceux-ci. Enfin, c'est quand même intéressant parce qu'on n'est pas sur un film qui cherche à aller de manière linéaire dans des directions simples et qui cherche vraiment à faire en sorte que le spectateur soit un peu questionné, bousculé par rapport à ses acquis habituels chez Marvel. Je trouve que là-dessus, c'est plutôt intéressant. Ouais, je trouve qu'elle a fait un gros effort, beaucoup plus que sur d'autres films Marvel où où on n'a même pas, enfin c'est vraiment classique. La temporalité, c'est point A, point B, flashback et c'est parti quoi. Là, il y a vraiment, au début, c'est vraiment, il y a beaucoup de sauts dans le temps, il y a beaucoup de pour justifier en fait les personnages. Alors c'est bien, ça leur donne de la profondeur. Le début, on se dit oula, c'est chaotique de poser tout le contexte, c'est compliqué. Alors après. Quand je dis c'est chaotique, c'est parce que ça amène à beaucoup de choix dans le montage, par exemple. Donc tu te dis, ouf, pour un Marvel, ils se sont bien compliqués l'existence, et en même temps, tu as envie de dire, ouais, mais si tu veux donner du poids, bah t'es obligé. Donc Exactement. voilà. Je te propose qu'on passe à l'écriture. Ouais. Et autant sauter tout de suite dans le bain. Donc Yes. l'écriture. Le scénario est donc signé par Chloé Zhao, par Patrick Burley, par Ryan et Cass Fierbo, basé donc sur le graphic novel de Jack Kirby. C'est intéressant parce que, encore une fois, on est dans cette mouvance depuis Shang-Chi, clairement, où les réalisateurs ont une place prépondérante dans la conception écrite des films Marvel. C'est-à-dire que c'est une chose qui était vraiment très très rare avant, et je crois sérieusement qu'à part Jon Favreau qui avait bossé sur l'écriture de Iron Man 2, bah, il y avait Shane Black aussi qui avait bossé sur l'écriture d'Iron Man 3, et sinon c'est tout. Je crois que les trois quarts du temps, sinon, les réalisateurs sont souvent que réalisateurs et ne sont pas scénaristes. C'est intéressant parce qu'encore une fois, ici, on est sur un Marvel qui sort vraiment de l'ordinaire en termes de conception. Je pense que même la narration, pour le coup, c'est un film qui est quand même assez culotté, tu l'as dit, c'est un film qui va beaucoup sauter dans le temps, qui va beaucoup revenir dans le passé pour ensuite mettre en perspective le présent. C'est un film qui est très dense, qui est très très dense en termes d'écriture, en finalement peu de temps, c'est un film qui se passe sur 7 jours. Au bout du Oui. compte. Mais c'est un film qui, pour autant, reste extrêmement dense dans sa conception, soit de la narration, soit des personnages, soit de leur reflet par rapport à tout ce qu'ils ont vécu. Enfin, on parle quand même de personnes qui sont sur Terre depuis plus de 7000 ans. Donc c'est quand même important d'arriver non seulement à leur placer un contexte, mais aussi à donner une perspective à ce contexte. Et je trouve que là-dessus, ces quatre scénaristes s'en sortent quand même pas mal avec un matériel qui, à mon avis, de base, était quand même assez chaotique et anarchique à mettre en place. C'est ça, c'est anarchique, c'est le bon mot, quoi. Parce qu'ils ont chacun leurs propres références dans le temps en plus. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est l'an moins 5000 qui va lui parler pour justifier qui il est. Il y en a un autre, c'est 1945. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a quelques belles idées. Souvent, la mise en scène et la qualité de l'image de ce qu'on nous propose justifient bien ces flashbacks, par exemple, là où il y a des flashbacks, où c'est des flashbacks, quoi. Elle a fait un effort pour que chaque flashback commence par une image. Voilà, c'est pas un spoiler, mais 1945, quand on a un flashback, bah, on voit le champignon atomique, et alors, mon Dieu que c'est beau, quoi. Moi, Oui, cette image-là, elle non. m'a assez marqué, alors qu'en vrai, ce n'est pas intéressant dans le film, quoi. À part justifier le background d'un personnage, Ouais, c'est ça. ça n'a aucun. Mais du coup, elle a mis un soin particulier dans ses flashbacks. Il y a un flashback c'était pas Babylone, mais c'était à
alors je vais pas prononcer le nom aztèque, mais Ouais, voilà, non, non. en Amérique du Sud, en 1500, où on a des belles images, même si c'est un massacre. Et c'est bête, mais là tu fais bien de rebondir sur cette scène-là. Chloé Zhao, au sein de son film, en termes d'écriture, avec ses trois scénaristes, elle a voulu amener des contextes qui sont quand même assez culottés, parce qu'au sein du cinéma américain, parler du génocide sud-américain avec la conquête justement des territoires aztèques, c'est quand même foutrement culotté, parce que je crois qu'aux États-Unis, c'est rarement abordé au sein d'un long métrage, Bah, cette thématique-là. ça les dérange moins parce que c'est les Espagnols au final. Ouais, mais tout de même. C'est pas, il se serait passé un truc dans une, ils auraient fait par exemple l'arrivée Oui, des colons. des colons sur les Oui, c'est sur sûr. les natifs Mais américains. Là tu oui, ça peux aurait y fait flipper. voir une certaine perspective aussi par rapport à ça, parce que mine de rien, Chloé Zhao, qui est quand même une jeune femme immigrée de Chine qui a débarqué aux États-Unis, elle a toujours voulu amener ça. Et son premier film, c'est un film qui se passait dans des réserves aborigènes, justement, aux Bah. États-Unis. Donc pour moi, il y a forcément une résonance par rapport à ça, et c'est ce que je trouve très intéressant, c'est que ça n'est jamais un film. Américain. C'est pas un film américain, par exemple. Voilà, tu fais bien de le Ouais. dire, c'est pas un film qui, dans sa structure, dans ses thématiques, dans son rapport au personnage et à l'histoire, ne cherche à être tant que ça américain. Alors, je dirais, voilà, exactement. Ne cherche pas à être américain. Il y a quand même des choses qui font qu'il est un peu Il y a des américain. choix dramatiques qui font que c'est américain, je veux dire, les choix super-héroïques et tout ça, et tout un certain contexte fait que ça reste tout de même un film américain. Mais c'est aussi intéressant de voir que c'est un film qui va explorer un petit peu le monde, qui se dit que tout ne tourne pas autour de la ville de New York et des États-Unis de manière générale. Enfin, au moins pour le coup, je trouve que c'est un film qui choisit d'étendre un petit peu ses perspectives de lecture et de se dire, je vais pas simplement me limiter à ce que je connais de l'univers Marvel, comme ça peut être le cas par exemple avec Shang-Chi, qui lui pour le coup se limitait vraiment à des villes très sommaires, à des contextes très classiques, et même s'il amenait un petit côté wuxiapien qui pouvait fonctionner, ça restait quand même dans sa structure quelque chose de très linéaire. Là ici, le fait qu'on ait vraiment ces bonds dans l'histoire, ces échos par rapport à l'humanité et tout ce qu'elle a vécu par le passé, tous ces petits acheminements, tous ces petits questionnements de personnages par rapport justement à notre histoire, ça amène quand même un poids dramatique. Et mine de rien aussi, bon là, je spoile pas pour éviter de vous garder la surprise, mais l'enjeu principal du film est tout de même extrêmement tragique, place presque un côté de l'ordre de la tragédie pour faire en sorte que le spectateur soit hyper impacté par tout ce qui se passe à l'écran. Oui, bah déjà c'est pas un film sur des gens, sur des êtres humains. Donc déjà ça, c'est vrai que le côté dramaturgie grec, bah on en revient en grec, hein, c'est très très présent parce que là ils ont un moment inéluctable à justement éviter et ils y arrivent pas en fait. Et il y a toute une série de twists qui rendent la chose assez croustillante parce qu'on a appris à aimer ces personnages au fil des, parce que voilà ils sont pas omnipotents pour autant, malgré être très forts. Il y a un Superman de service et tout, mais ils sont pas quand même surpuissants. Oui, ils sont pas immortels. En plus, C'est des éternels, mais ils sont pas immortels. Et c'est c'est ça qui est. cocasse un peu même d'ailleurs, Non, mais mais. c'est très intéressant de ce point de vue-là, parce que ça amène un côté dramatique auquel on s'attend pas forcément. Bon, on spoile pas, on vous garde la surprise, mais il y a vraiment des choses qui font que on sait qu'ils peuvent avoir une fin. Que c'est pas des. Enfin, ils sont sur éternels sur le papier, sauf si tu stoppes le processus de l'éternel. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, ça. Ça rajoute, enfin, et c'est ça la grande intelligence de l'écriture, je trouve, c'est qu'il y a des poids dramatiques qui se rajoutent au fur et à mesure que ça avance, sans avoir besoin d'avoir l'impression que c'est genre un camion qui débarque au milieu d'une autoroute et qui Non, fonce au oui. milieu des deux voies, quoi. Bah, c'est bien amené, c'est bien amené. Bah, en fait, ça reste des dieux, entre guillemets, mais effectivement, d'ailleurs, ils jouent beaucoup sur. Alors, il y a des moments où ils disent. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une plasticité qui est très intéressante, qui est pratique dans le film, mais qui est aussi dans les concepts, mais qui est aussi. À un moment, on dit, bon, bah, c'est un peu facile, quoi. Tu vois, genre, il y a quand même quelques facilités. Les règles sur les éternels, c'est un peu. Allez, hop, on a besoin de quoi maintenant? Très bien, on y va. Donc, du coup, on fait, bon, d'accord, même si effectivement ça marche, ils sont pas. Ils restent mortels, mais ils sont éternels, ils ont tous 7000 ans minimum, enfin, c'est, voilà, ils arrivent un peu comme des dieux. D'ailleurs, pour moi, c'est pour ça que ça fait très science-fiction, parce que c'est quasiment du Asimov, Oui, bah c'est sur clair. un. Sur Enfin, pas mal d'aspects, mais en ça, on light, doit hein, du en light, spoil. oui. Faut pas trop spoiler. Mais c'est Mais. vrai qu'il y a un peu de Isaac Asimov dans certaines réflexions et dans certaines paraboles, ça c'est clair. De toute façon, quand ils arrivent, enfin, moi, ça me. Après, ça, c'est mon côté geek, donc forcément, je regarde les détails que j'ai pas besoin, parce que parfois, c'est pas, le détail est pas forcément important pour le projet qu'on veut me montrer, mais c'est vrai que des fois, je me dis, ils sont arrivés, ils parlaient déjà anglais, enfin, il y a plein de choses où je me dis, bon, c'est un Marvel, calme-toi, ne cherche pas Mais trop loin voilà. non plus, quoi, enfin. Mais c'est vrai qu'il y a une plasticité qui, il y a des quelques facilités qui font que parfois, on se dit, bon, voilà. Mais à part ça, c'est vrai que ça reste, il y a un bon propos sur les personnages, quoi, il y a une belle dramaturgie qui est écrite dessus, quoi, ça Ça, va. c'est clair. En termes de mise en scène, bon, c'est clairement là qu'on va avoir beaucoup de choses à dire, parce que si sur l'écriture, le film peut sembler parfois un peu sommaire malgré une certaine profondeur,
La mise en scène sort clairement de l'ordinaire par rapport à tout ce qu'on a vu habituellement chez Marvel. On n'est plus dans une imagerie ultra numérique. Il y a des effets spéciaux, encore une fois, mais c'est bon de le dire. Chloé Zhao amène du concret au sein de sa mise en scène. Amène vraiment une ampleur et une brutalité presque hyper réaliste qui lui ressemble, parce que son cinéma a toujours été comme ça. Son cinéma est ancré dans une certaine optique qui veut qu'elle s'accroche au réel pour créer de la fiction. Et même si Nomadland est un petit peu ce pont qui allait mener entre The Rider et donc Les Éternels, clairement, elle a toujours eu cette idée-là. Et ici, le film, enfin, moi, pour moi, il a une vraie patine, quoi. Il a une vraie classe et il a une vraie puissance visuelle. Déjà, il est beau, il y a un effort qui est fait dessus, Ça, c'est clair. sur des imageries. J'irais même encore plus loin, alors, on utilisait les termes un peu de jeu vidéo, mais il y a de la narration environnementale qui est vraiment pas mal. À chaque fois, il y a les cartons pour indiquer les dates et les lieux. Oui. Pour tout ce qui est flashback, vous n'en avez pas besoin, en fait. Il n'y a pas besoin de... Enfin, justement, ils se sont cassés les pieds à nous montrer des images qui nous parlent de telle époque. Enfin, il suffit d'avoir un peu suivi les cours à l'époque. Babylone, il y a les grandes forteresses bleues, là, ça, tu sais tout de suite que c'est ça, quoi. Les Aztèques, tu les vois tout de suite que c'est eux. 1945, il n'y a pas besoin d'expliquer. Et ça, c'est de la pure narration environnementale qui montre qu'il y a un soin particulier qui a été donné pour dire, on a un flashback à cet endroit, comment faire ressortir l'endroit pour que les gens s'en imprègnent sans qu'on ait besoin de le dire, en fait. D'où le fait que je pense ce carton d'introduction est un peu là pour compenser le fait que Chloé Zhao a voulu absolument dans son film parler avec l'image et non pas faire dire à des personnages des grandes tirades genre « Nous sommes envoyés sur Terre par Arishem parce que nous avons eu une mission qui nous a été confiée, celle de conserver l'humanité et de faire en sorte de l'aider à avancer. » Et voilà, donc ils se sont dit au commencement « On met un carton, ça place le contexte Sur et... la moitié qu'ils ont quasiment copié sur l'épisode 4 de Star Wars, en plus, Exactement, il y avait exactement. vraiment... C'est même pas la galaxie est en danger, c'est l'univers est en danger. Je fais, ah ouais, il y a vraiment des phrases où je me dis, ça, c'est du copier-coller. Ah Regarde non, ma mais copie, mais complètement. fais genre, c'est pas la mienne. C'est vraiment waouh. Mais du coup, c'est surprenant parce que du coup, comme tu disais, c'était soit du George Lucas, soit du Uwe Boll, ce carton. On est clairement plus du côté de George Lucas en Ça termes de va, oui. conception parce que dès les premières scènes, l'objectif, c'est tout de suite de placer les personnages, de les placer dans un contexte, de faire en sorte de les acheminer dans une direction intéressante. Enfin, moi, je trouve ça génial, mais scène d'intro, on n'a aucune idée de qui sont ces personnages, mais on nous les introduit tout de suite comme étant les Éternels et on nous dit aucun prénom, aucun contexte, rien du tout. C'est juste, il est temps et tu les vois se mettre en place, etc. Et c'est comme ça tout le long du film, c'est-à-dire que s'il doit y avoir des explications, Chloé Zhao va se servir, comme tu disais, de son image pour traduire cela. Et c'est pas constamment des trucs qui sont. Enfin, je reprends cette fameuse séquence d'Hiroshima qui, pour moi, est très représentative de ça parce qu'elle est plutôt courte, elle est synthétique, et elle permet de placer le contexte d'un personnage. Cette séquence-là est supposée montrer qu'un personnage a perdu foi en l'humanité parce qu'il aide l'humanité à concevoir certaines technologies pour qu'elle puisse avancer. Je peux le dire, c'est un bon nucléaire en fait. Oui, Il c'est ça. estime que. Alors, on ne sait pas si c'est lui directement Non, mais il le qui l'a dit, fait, je mais. les ai amenés à ça, et c'est très intéressant parce que du coup, cette séquence-là, elle est supposée montrer sa bascule, et c'est pas, oui, je savais qu'en leur montrant la technologie de l'uranium, ils arriveraient à faire une technologie comme ça, mais je ne pensais pas que ça allait détruire tant de monde tel jour, etc. Non, c'est juste, je suis dégoûté, c'est tout. C'est le personnage qui dit Oui. littéralement ça, et Et c'est tout. puis, bah, non, c'était vraiment relativement bien écrit. Ce qui me fait, d'ailleurs, ce qui me fait penser que d'un côté, on a un film de Chloé Zhao. Alors, je ne connais pas les autres films de cette réalisatrice, mais on voit qu'il y a ce côté, je vous prends pas par la main, je vous montre les choses, mais je vous fais confiance pour les comprendre. Et les mecs de chez Marvel qui ont dit, ah non, ça, tu vas pas pouvoir le faire comme ça. On a des beaux cartons pour nous dire où on est. On a un beau carton au début pour nous expliquer, voici le contexte. Je pense qu'on a des personnages qui ont été rajoutés, ne serait-ce que pour former une équipe un peu plus intéressante visuellement ou on va dire classiquement. Et puis, il y a des arcs en fait, on peut carrément les enlever du film. C'est le problème, je pense, et c'est le problème aussi, je pense, tout simplement, d'un film où tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 personnages principaux. T'as beau faire 2h40 de métrage, il y a forcément Et des encore. personnages qui vont avoir des profondeurs dramatiques Ah, sous-exploitées ou. le souci, c'est que là, tu vois, si on regarde, bon, ben on va pas aller. Voilà, mais t'en as peut-être. Enfin, ils Bah sont pour moi, on quasiment. peut retirer Sprite et Tena. Pour moi, Sprite et Tena, c'est les deux personnages qui n'ont aucune profondeur réelle dramatique et qui servent un petit peu de Deus Ex lorsque le récit patine un petit peu. Pour moi, c'est le vrai problème. Mais derrière, on sent quand même que Chloé Zhao, et c'est ça que je trouve très fort, elle amène beaucoup d'émotionnel au sein de sa mise en scène. Oui, Le film ouais. est vraiment sensible et ça se fait par un travail très intelligent de la photo avec son directeur de la photo, Ben Davis, avec qui elle travaille pour la première fois, mais qui a fait un petit peu de tout. Le mec a déjà fait des Marvel, il a fait Doctor Strange, il a fait Captain Marvel, mais il a fait aussi Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, qui sont des films
qui sont très variés, mais qui ont tous cette même forme d'avoir une photographie qui joue beaucoup avec la lumière naturelle. Captain Marvel, on pouvait dire ce qu'on voulait, la plupart des plans qui étaient en extérieur, c'est quand même beaucoup de lumière naturelle. Mmh. Et je trouve qu'ici, les deux trouvent une alchimie. Les deux trouvent une vraie alchimie parce que Chloé Zhao a déjà cette optique de vouloir tourner quasiment en lumière naturelle et de ne pas utiliser de lumière de plateau. Et je trouve que ça donne des plans où les décors sont splendides. Enfin, cette maison paumée au milieu d'une campagne, cette île désertique à la fin, Il y a presque Londres qui fait tâche au début, en fait. Ah, complètement. Londres ne marche pas, hein, pour moi. Hein. D'ailleurs, Londres, je trouvais que c'était très sous-ex et j'étais en train de me dire, ouais, là, c'est là que tu te rends compte que la lumière naturelle, ça marche pas pour tout. Ouais, puis même, les 10 premières minutes quand ils sont à Londres, c'est très très Marvel sur les bords. Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'elle torche ça pour se dire ensuite il faut que je bouge et que j'aille ailleurs. Après, j'ai une histoire à raconter, quoi. Voilà. Et c'était. Voilà. C'est pour ça qu'au début, tu vois, les 15 premières minutes, j'étais en mode. Où est-ce qu'on va avec tout ça là? C'est pas. Ouais, c'est ça. Et en fait, une fois qu'elle a. Je pense qu'à un moment, elle a réussi à dire non, ce sera comme ça. Et on sent que la patte, elle a plus posé son empreinte à partir de la 20e minute à peu près, où tu te dis, ah là c'est bon, là elle est lancée, elle maîtrise son truc, là où je pense avant elle a dû manger le studio qui lui a dit, alors faudra faire ça, il nous faut ça. C'est souvent le problème d'être un auteur et de prendre les commandes d'un blockbuster, tu as tout de même un cahier des charges à respecter. Ah, oui, oui. Et je trouve que pour le coup, elle a vraiment réussi à le respecter tout en cherchant aussi à créer son propre film. Et là-dessus, on peut quand même lui dire respect, parce que quand tu vois des Josh Trank qui à côté cherchent à faire la même chose et se font littéralement exploser à la gueule un film avec les 4 Fantastiques par exemple, ou des longs métrages comme ça, quand tu vois des Kenneth Branagh qui ont des idées de mise en scène sur Thor mais qui n'arrivent pas à poser une structure dramatique qui soit à la hauteur de ce qu'ils ont comme attente en termes de côté très shakespearien, quand tu vois, j'en sais rien, d'autres réalisateurs qui au sein de Marvel se perdent, je trouve que elle arrive quand même plutôt bien à trouver sa direction et elle arrive vraiment à bien s'en sortir sur un film où clairement elle aurait pu elle aussi se planter. Et moi je trouve qu'elle se plante pas. Non, et, ça va, ouais. Et vraiment c'est bien de le dire, quoi. Elle s'est pas plantée, elle a au moins réussi à emmener son film jusqu'au bout. Et certes, le film va pas plaire à tout le monde, ça c'est indéniable. Parce que les fans habitués de Marvel, ils vont trouver le film bizarre, ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ce film de 2h40, où au final il n'y a pas tant d'action que ça. Il y en a quoi? Il y en a 40 minutes sur un film de 2h40, ça reste un ratio très léger. Ouais. Et le reste du temps, c'est du développement de personnages, c'est de la contextualisation, c'est de l'émotionnel, c'est quelques scènes un petit peu drôles, c'est plein de petites choses qui veulent vraiment plus faire comme elle a l'habitude de faire, Chloé Zhao, laisser vivre ses personnages au sein de son cadre, et en les laissant vivre, c'est là que l'impact émotionnel devient plus fort. Et c'est là, par exemple, qu'on se retrouve avec des scènes mais complètement surréalistes, où il y a cette séquence de fin qui a des plans, mais c'est... Il y a un plan à la toute fin, un des tout derniers plans, avec un personnage qui finit gelé, je dis rien d'autre, cette séquence-là, j'étais en train de me dire, mais ce film a vraiment des idées visuelles extraordinaires. Mmh. Extraordinaire, je sais pas. Ah, pour mais moi, si, il y a quand même des images qui sont vraiment extraordinaires, mais ça sonne pas comme de l'extraordinaire comme on a l'habitude de voir, c'est de l'extraordinaire très intime. Oui, c'est très intime, c'est très délicat. Enfin, il y a beaucoup de plans sur le personnage de Cersei et Carys qui sont vraiment magnifiques. C'est des plans qui sont très intimes, qui sont très doux, qui sont délicats, qui cherchent vraiment à amener une sensibilité au sein d'un film où d'habitude c'est vraiment l'action qui prélude, c'est l'action qui est importante. Et là, en fait, je pense que t'as vu des choses que tu vois jamais dans un Marvel, et du coup, même si moi personnellement je trouve qu'il y a des scènes, c'était même un peu too much ou pas forcément très très bien amené à mon goût, tu vois, on se dit ouais, mais comme on l'attendait tellement pas ici, c'est presque rafraîchissant, en fait. Exactement. Enfin, c'est même pas presque, c'est rafraîchissant, quoi. Oui, effectivement, c'est vrai que des scènes où les gens se disent juste je t'aime, ou tu vois vraiment ils s'aiment, c'est pas genre juste dans le script ils s'aiment, tu vois, genre là tu te dis, ah oui, les deux personnages ont quand même une relation qui fait que bon, d'accord, je saisis, même si moi je retiendrai plus que elle gère l'extraordinaire d'une manière différente du reste de Marvel, où c'est très calibré, en fait. C'est ça. Quand tu vois un immense dieu en vénère, c'est dans Doctor Strange, c'est dans Mamou, et tu sais que c'est le méchant, en fait. Donc voilà, là les célestes. Les célestes, voilà. Quand t'as le céleste, déjà qui apparaît, enfin, moi, il y a un côté un peu Lovecraft, sans les tentacules, mais il y a ce côté, en fait, l'être humain peut pas comprendre, en fait, ce qui lui tombe sur le coin de la figure. D'ailleurs, c'est peut-être pas plus mal qu'on voit pas les autres personnages Marvel, parce qu'en fait, c'est lui qui fasse, quoi. genre, t'as Doctor Strange qui vient, et là, t'as un céleste qui débarque, qui est en train de bouffer la Terre, et t'es en mode...
Ouais, bah on va chercher notre dimension maintenant, tu vois. Bah Genre, c'est bien, oui. Mais du coup, c'est bien qu'on cherche pas d'autres solutions. On voit juste qu'ils sont inévitables, inéluctables. Un peu comme Thanos disait, je suis inéluctable. Bah, en fait, eux, ils le sont vraiment, tu vois. Parce que bah, lui, quand il sort, il y a sa main qui sort. Bon, bah, on a perdu Neil, quoi, tu vois. Oui. Et quand du coup, on a l'éternel qui arrive et qui vraiment se pointe. Alors, bon, des fois, ils prennent des petites libertés avec les échelles, par exemple. Le céleste qui apparaît, on voit toute sa tête, mais l'autre, quand il apparaît, on voit sa tête, mais genre vraiment que dans le ciel, et tu vois juste les yeux, parce que tellement il est énorme. Mais en même temps, il y a ce côté, là c'est bon, c'est le jugement divin, quoi. Et puis, c'est pas Thanos ou le camp de l'infini où tu peux bricoler un truc pour t'en sortir, là c'est vraiment, non, non, je reviendrai, là je vais regarder si vous valez le coup, vous avez intérêt à le valoir, parce que quand je reviens, sinon je rase tout, et en fait tu te dis, oui, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, quoi, Ouais. concrètement, dans cet univers Marvel, quand ça arrive et qu'il y a ce truc-là qui arrive, tu fais, oui, effectivement, ils sont pas équipés pour gérer ça, quoi. Oh non, clairement pas. En termes de casting, on a un très beau casting, je trouve, qui s'en sort Ouais. vraiment bien. Ouais. Gemma Chan dans le rôle de Cersei est vraiment bien. C'est une actrice qui est très talentueuse et qui est un peu sous-exploitée à Hollywood actuellement, mais vraiment, je trouve qu'elle est extraordinaire au Ouais, sein de ce film. ça. Richard Madden dans le rôle de Ikaris est très très bon aussi. Bon, ils sont allés chercher les trois quarts du casting de Game of Thrones pour le film parce que entre Richard Madden et Kit Harington, Ouais. voilà. On a Angelina Jolie et Salma Hayek qui, elles, pour le coup, sont un peu de l'ordre du clin d'œil parce qu'elles sont pas non plus très présentes au sein du film. C'est pas non plus les acteurs qu'on retient le plus. J'ai beaucoup aimé Kumail Nanjiani qui joue Kingo, qui est Oui. vraiment très très bon, qui pour le coup est un très bon comic relief, mais un comic relief qui n'est jamais forcé, je trouve, qui a un côté Bah, très charismatique. il est sarcastique par nature, en fait. Exactement. Donc, du coup, c'est pas un humour forcé quand il est là. Ouais, tout à fait. Il y a Lia McKay qui joue Sprite, qui est très bien aussi, une jeune actrice très talentueuse. Brian Tyree Henry et Beaucoup Lauren aimé. Ridloff, qui sont tous les deux très bons. Moi, j'ai mon petit chouchou qui est Madong Seok, Oui. qui joue Gilgamesh, qui est Ouais. pour le coup, c'est un acteur que j'adore et que je suis depuis très longtemps et que ici je trouve extrêmement charismatique. Et on peut citer aussi Barry Keoghan qui joue Drigg, qui est vraiment bon. Alors lui, je trouve que moi, il m'a, enfin, je trouve justement que c'est peut-être son personnage qui lui permettait, parce qu'il a pas beaucoup de texte, mais t'avais moyen d'en faire un peu tout et n'importe quoi. Et Ouais. il a réussi à donner une direction à ce personnage assez bien. Moi, j'ai Ouais, non, aimé. non, mais je trouve qu'il est bien amené. Mais tout le casting, dans la grande généralité, Non, est c'est vraiment correct, hein. bon. Y a Non, pas non. de. Mais c'est là aussi que tu vois que l'écriture est bien faite. Parce que les acteurs en soi sont pas. Enfin, moi je trouve pas qu'il y a rien de. Même l'actrice principale, ça reste un personnage principal de Marvel. C'est pas non plus incroyable en termes de développement. Mais c'est assez bien écrit pour qu'on se dise pas elle est là pour faire les impôts, quoi, tu Et vois. puis je trouve que les trois quarts des acteurs quand même se donnent vraiment à fond pour leur personnage. Je trouve notamment que la relation entre Gemma Chan et Richard Madden, les deux ont une vraie alchimie et je trouve que ça fonctionne bien et ça ajoute ce côté très tragique finalement à Même l'œuvre. alors Téna et Gilgamesh, alors je me souviens plus du nom de l'acteur masculin, mais Angelina Jolie et son partenaire, Madong quoi, Seok, hein. ouais, Ouais, Madong Madong Seok. Seok. Bah, pour le coup, tu vois, par exemple, je me disais pourquoi ils ont ramené Angelina Jolie là? Et en fait, elle a un. En fait, on croit à son côté, parce qu'elle est censée avoir un côté où elle a un peu Alzheimer, en fait. Voilà. Son personnage a un peu Alzheimer, c'est pas vraiment un spoiler, si on peut le dire. Non, non, non. Et du coup, bah, en fait, tu te dis, bah, faut y croire en fait. Mais du coup, pour y croire, faut s'attacher un peu à elle. Et en fait, tu vois que bah, elle a une relation assez marrante avec le personnage, mais pas marrante dans le sens comic relief, Non, plutôt dans le sens c'est une dans le petite sens, je relation trouve ça sympa, quoi. touchant, Tu on vois, trouve ouais, ça touchant. ils sont mignons, On quoi. sent qu'il y a une intimité qui est créée. Et je trouve ça marche bien, enfin, Bah, il y c'est... a vraiment un côté vieux couple qui vieil homme qui s'occupe de sa femme qui a Oui, Alzheimer en fait, et exactement. tu fais qu'est-ce qu'il fout là en fait, tu vois, Ben genre, non, mais mais ça marche bien, quoi. c'est encore une fois, ça fonctionne dans cette idée de sensibilité, et je trouve que tous les acteurs arrivent à transmettre cette sensibilité, et Madong Seok est le meilleur exemple pour ça, parce que quand même, arriver avec son charisme à être charismatique, avec Angelina Jolie qui est elle-même très charismatique, Oui, non. les deux qui s'équilibrent bien, je trouve ça quand même couillu, et ça Ah bah. fonctionne du feu de Dieu. On arrive à la fin de cette critique des Éternels, qu'est-ce que tu en retiens au final, mon cher FX? Bah, je pense que c'était un beau défi. Un défi que je pense qu'aurait été trop compliqué pour plein de gens. Elle a réussi quand même à sortir un truc à peu près propre. Enfin, propre en fait, je dis à peu près, mais je suis assez vilain en disant ça. En vrai, elle a vraiment bien bossé sur le film. Le tout transpire une bonne énergie en fait, je trouve. C'est assez positif. Je pense que le film va avoir du mal parce que il va. Dans le contexte actuel, pas seulement du cinéma, mais même de la société, là, je pense qu'un film où il y a des gays, un gay noir, enfin, c'est le genre de truc où tu dis, je suis certain qu'ils vont manger parce qu'ils sont woke, etc. Alors qu'en vrai.
Pas vraiment, en fait, pas plus que ça. Ça, c'est un détail pour moi, honnêtement. S'il y a vraiment des gens qui font chier par rapport à ça, j'ai envie de leur dire, allez enfiler des perles plutôt que de vous plaindre de ça, parce que sérieusement, ça sert à rien. Le film est ce qu'il est, il est en lui-même bon, moi je trouve. Il est vraiment bon, il ça est plein de passe. promesses, il est plein de puissance, il a envie d'apporter quelque chose. S'il y a vraiment des gens qui s'attardent sur ce genre de détails pour déglinguer le film, j'ai vraiment envie de leur dire, mais allez vous acharner sur des films qui font ça de manière beaucoup moins subtile. Et là, pour le coup, de la part de Marvel, tu sens que c'est amené par quelqu'un qui maîtrise un peu le sujet et qui a Ouais, envie non de l'emmener mais dans une direction c'est justement intéressante. pour ça que ça me saoulerait si. Enfin, je suis sûr que je cherche sur YouTube, je vais trouver. Mais c'est pour ça que ça me saoulerait si ça arrivait vraiment à grande échelle, parce que bah, c'est bien fait en fait. C'est pas Captain Marvel, quoi. Concrètement, sur le côté féministe, par exemple, bon, il n'y a pas vraiment un message féministe, mais dans l'idée d'apporter justement D'ailleurs, c'est ça qui est bien. Ça nous placarde pas un message, c'est plutôt. Ça nous montre organiquement que, bah, en fait, les gens peuvent venir de partout et puis. Ou avoir n'importe quelle apparence, et ça marche quand même à peu près correctement, quoi. Donc non, voilà, après le film était vraiment pas mal, quoi. Pour parler un peu vite fait du futur de l'univers Marvel, bon, ils sont totalement en roue libre, les mecs, hein. Leur scène post-générique, c'est Star Fox. Enfin, on peut le dire. De toute façon, les gens vont pas Pas connaître. le jeu vidéo, hein, pas le Non. jeu vidéo, ça n'a rien à Ce voir. C'est serait bien de le vraiment rappeler. trop. C'est pas un renard qui se pointe Oui. à la fin du film, non, non. Ah, attention. Attention. Mais Non, non, mais. non, mais concrètement, je lui donne le nom parce qu'en vrai. Ça va pas vous parler, quoi. C'est Star Fox. Et puis, le personnage de Kit Harington. Alors, là, je m'avance un peu parce que je connais pas bien, mais je vois à peu près quel personnage il va être dans les Avengers. Ouais, ce que tu disais, c'est Black Knight. Hein. Black Knight, moi, si on peut dire le nom parfait. C'est Black Knight. Enfin, pour moi, c'est Black Knight. Je peux me planter, mais enfin, une épée, l'oiseau rouge. Le mec a la gueule du personnage de Black Knight, concrètement. Enfin, il est brun, il a une barbe. Voilà, parfait, c'est Black Knight. Concrètement. Je savais pas qui c'est les mecs, même moi qui suis Mais c'est qui... déjà un petit peu le cas dans la scène post-générique de Black Widow où on plaçait des personnages qui venaient de la série, Falcon et le Soldat de l'Hiver. Là, on a eu Shang-Chi qui nous plaçait des scènes post-génériques où on nous replaçait une autre dimension beaucoup plus méta autour des anneaux. Là, on se retrouve avec un film qui va placer de nouveaux personnages qui débarquent un peu de nulle part avec ce fameux Star Ouais, mais Fox alias tu vois, Heroes. Enfin, c'est. dans les précédents, les scènes post-génériques parlaient en fait aussi du Mais film, tu c'est vois. normal, c'est parce que les autres scènes post-génériques amenaient Avengers Endgame. Là, il n'y a Oui, plus Avengers ah oui, bah Endgame, là ils donc il faut sont. placer d'autres choses. Ouais, mais tu vois, tu vois, par exemple, Adam Warlock qu'on nous vend depuis au moins 2017 et qu'on susurre depuis 2014, Ouais, les mecs, alors que mais on le sait très dernier. bien qu'il va arriver dans les Gardiens de la Galaxie, donc à quoi ça sert de le teaser dans un truc où il n'aurait pas de contexte? C'est le truc qu'il Bon, préfère. ça les a pas dérangés les fois Ouais, d'avant. mais Parce que il préfère là le contextualiser. Star Fox, On à part. s'hasarde un petit peu, là, on parle un Ouais. petit peu d'autre Oui, chose, non. mais revenons un peu Oui, sur le film. Mais en soi, le film est bon, le film oui. Oui. vaut le coup d'œil. Ce qu'ils en font après de l'univers, moi je t'avoue que personnellement je m'en fous, je préfère me laisser balader au fur et à mesure des Ouais. films, parce que là on en est rendu à un stade où clairement, comme tu l'as dit, c'est en roue libre. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur univers, ils ont une phase 4 qui est anarchique et qui cherche à faire le pont entre d'un côté Spider-Man qui est encore bouclé chez Sony et de leur côté bah, des nouveaux persos qui arrivent. Ils sont paumés, mais le film en lui-même, Les Éternels, est vraiment bon, c'est une bonne Ouais. démarche, et moi ça confirme ce que je pensais avec Shang-Chi, c'est que c'est un univers qui va dans une toute autre direction, qui cherche à expérimenter de nouvelles choses, à laisser la place à des auteurs. Plus de Moi liberté, j'aime ouais. bien cette dimension-là et je pense vraiment que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Après, moi je pense foncièrement que Les Éternels de Chloé Zhao va rester un film que pour beaucoup, ça va être trop bizarre, trop surprenant, trop hors de la norme et Ouais. peut-être qu'ils vont pas réussir à apprécier les gens, je sais pas. On verra bien. On verra bien, comme tu dis. Merci mon cher FX Je d'avoir t'en participé à prie. cette petite vidéo tôt Merci le à toi. matin. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens bah, d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des Je films. l'ai pas encore vu, mais il y a Last Night of Soho. On m'a susurré à l'oreille qu'il ne durerait pas longtemps au cinéma. C'est Edgar Wright, allez voir les gens, hein, vraiment. Voilà, tout à fait, il a raison de le préciser dans cette petite conclusion et on se retrouvera bien sûr pour parler de films, bien évidemment, autres que Marvel, bien sûr. À plus. Ciao. Ouais. À la fin, je pensais vraiment, je voulais rattacher ça justement au fait que les gens vont aller pas forcément aimer, tu vois. C'est qu'en plus, la promesse de fin, ils vont se dire, attendez, j'ai bouffé 2h40 de film. On m'a Ouais. fait manger 2h40 de Spielberg parce que pour moi, ça vaut ce que Spielberg faisait il y a 20 ans, tu vois. Et bah oui, je sais, on avait parlé, mais Et ouais. du coup, t'es vraiment en mode, les gens, en fait, on leur dit ça, ils se disent, oh là là, bon, au moins, il y a la scène post-générique. Star Fox! T'es genre des mecs en mode, c'est qui le gars?